Bonjour Arthur. Bonjour Clémence. Aujourd'hui, vous nous parlez de la prison de Palmasola. Donc, c'est une prison la plus grande de Bolivie. Elle a la particularité d'être une prison autogérée. Vous avez eu la chance d'y pénétrer pendant une après-midi. Alors, comment ça marche exactement une prison autogérée, Arthur? Alors exactement, j'ai eu la chance d'aller à Palmasola dans le cadre d'un voyage de presse organisé par 13e Rue et la boîte de production Kappa pour une série documentaire qui s'appelle Caméléon qui commencera à partir du 14 juin. Et en fait, l'espace d'une après-midi, j'ai pu intégrer cette prison totalement atypique puisqu'elle est autogérée par ses détenus depuis le 17 mai 2006. En fait, si vous voulez, avant, il y avait des gangs qui faisaient la loi dans cette prison. Plusieurs détenus ont décidé qu'ils en avaient assez, que ça se passe comme ça. Il y avait un énorme taux de mortalité. Et donc, à partir de là, ils ont décidé de prendre les choses en main. Et il y a eu une émeute terrible avec beaucoup de morts. Et ils ont pris le pouvoir dans cette prison. Quel message ce genre de modèle veut-il faire passer? Alors, si vous voulez, en Bolivie, qui est un pays très très pauvre, les prisonniers sont considérés comme des exclus de la société. Or, depuis qu'ils se sont pris en charge, ils arrivent à développer des objets, ils ont construit une véritable société entre eux, avec un système d'éducation, il y a des syndicats pour défendre les intérêts de chacun. Et donc, ils veulent montrer que ce ne sont pas forcément des caïds, des bandits, et qu'ils peuvent revenir dans la société après les peines qu'ils ont reçues. Est-ce que ça serait possible de voir ce genre de modèle en France? Je pense pas. Il y a des leçons à tirer. Je pense pas parce que la Bolivie est un pays très très pauvre. En France, le système carcéral, même s'il a énormément de failles, est quand même solide, très très bien encadré. En Bolivie, ce sont plutôt les cartels, les gangs qui font la loi. Donc, ce serait compliqué à mettre en place en France un système pareil. Merci beaucoup Arthur pour cet article qu'on retrouve dans Télé Loisirs. Merci Clémence.